Messieurs dames, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'époque qui suit tout de suite le Moyen Âge et qui se nomme la Renaissance. Vous voyez déjà dans le fait de nommer cette période la Renaissance tout le mépris en quelque sorte que l'on a pour le Moyen Âge où tout serait vraisemblablement mort, alors que ce n'est pas le cas comme vous le savez déjà. Évidemment, la date de début de la Renaissance va varier selon l'interprétation de, de différents historiens. Certains vont nommer Pétrarque au XIVe siècle comme un des premiers auteurs à faire partie de cette Renaissance, mais généralement on présente trois dates importantes comme début de la Renaissance soit 1453 avec la chute de l'Empire romain d'Orient, ou 1454 avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, ou encore 1492 avec l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Mais pour nous, ce qui est surtout important. C'est que c'est lors de la Renaissance que va naître la littérature québécoise. Mais qu'est-ce qu'au juste qu'une Renaissance? Eh bien, selon l'historien René Raymond, il y a cinq ingrédients d'une Renaissance. Il y a l'apparition de nouveaux modes de diffusion, il y a la relecture scientifique des textes fondamentaux, il y a également une remise à l'honneur de la culture antique, un renouveau des échanges commerciaux, ainsi qu'un changement de la représentation du monde. Regardons les un par un. Lorsqu'on parle de l'apparition de nouveaux modes de diffusion, on fait référence, bien entendu, à l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Cette, in cette invention est très importante parce qu'elle va mettre fin au monopole du savoir euh, qui était entre les mains des clercs et des universités. Évidemment, chaque personne n'aura pas une bibliothèque du jour au lendemain mais graduellement le savoir va se démocratiser, très lentement quand même, mais il se démocratise et c'est ce qui euh, est un des premiers piliers de la renaissance. À cet effet, on dit la même chose aujourd'hui à propos de l'internet. C'est un nouveau mode de diffusion qui démocratise encore plus tout le savoir de euh, ou en fait, presque tout le savoir de l'humanité. Un deuxième ingrédient important de la Renaissance est la lecture scientifique des textes fondamentaux. Lors de la chute de Constantinople en 1453, beaucoup de savants byzantins on les appelle byzantins parce que l'ancien nom de Constantinople était Byzance, donc un grand nombre de savants et d'intellectuels vont émigrer vers l'Italie et apporter avec eux certains textes antiques, mais surtout un intérêt pour les textes antiques des Romains et des Grecs dont ils s'étaient inspirés auparavant. Mais non, non seulement cela, ils vont aussi apporter avec eux la science et les techniques islamiques de l'Empire romain d'Occident. Et ça va avoir une grande influence en ce qui concerne la découverte pour les scientifiques européens de l'algèbre, de l'astronomie, de la médecine, de l'alchimie, qui est une sorte d'ancêtre de la chimie, et de la géographie. Un nouvel ingrédient également de la Renaissance est la remise en honneur de la culture antique. Comme je vous l'avais dit précédemment, l'Antiquité n'avait pas été oubliée au Moyen Âge c'est simplement qu'elle avait été un peu contrainte, un peu euh, monopolisée par l'élite religieuse euh, du moment et on s'était tourné vers d'autres formes artistiques mais les textes antiques existaient encore, les moines les recopiaient euh, dans des abbayes, faisaient des enluminures mais tout ça restait un peu euh, en vase clos, cloîtré euh, pour reprendre euh, la métaphore du moine. Lors de la Renaissance, on décide de la reprendre cette Culture antique comme modèle de la copier, de s'en inspirer pour créer de nouveaux chefs-d'œuvre. Plusieurs peintres connus, tout ça commence en Italie. La Renaissance commence en Italie puis va se propager au reste de l'Europe par la suite. Mais Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphaël, pour en nommer quelques-uns, des peintres et des sculpteurs, et aussi des auteurs euh, européens, français comme Rabelais, Montaigne, Dante, un italien, qui vont traiter d'une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle représentation du monde dont je vais parler dans quelques minutes et qui se nomme l'humanisme. Le quatrième ingrédient de la Renaissance est peut-être le moins glorieux du groupe. C'est le renouveau des échanges, des échanges commerciaux. Vous savez que autour du 15e siècle, on envoie des bateaux pour trouver un nouveau chemin vers l'Orient, vers l'Asie, et ces gens qui partent, on va les appeler les grands explorateurs. On peut les nommer. On parle de Christophe Colomb, de Jacques Cartier, de Magellan, de Vasco de Gama et de Cabot, de bien d'autres. Leur but premier, si l'on veut, c'est de trouver des voies commerciales pour pouvoir enrichir le roi qu'ils servent. Et avec l'arrivée, la découverte, entre guillemets, de l'Amérique et avec le début de l'exploitation et de la traite des humains en Afrique, on va s'enrichir de façon assez phénoménale. Tout l'or qu'on va retirer d'Amérique du Sud et tous les esclaves qu'on va créer vont faire en sorte que certains royaumes européens qui vont s'enrichir. En plus, il va, ça va créer un développement rapide des ports maritimes parce que ces nouvelles voies-là vont être très rentables et donc les ports qui pointent vers l'Océan Atlantique vont se développer assez rapidement. Un autre effet de, de tout cet or qui arrive, c'est la transformation des métaux précieux en monnaie. La raison pour laquelle ces royaumes là s'enrichissent, c'est qu'on va voir apparaître le début du mercantilisme, c'est-à-dire cette façon de pouvoir qualifier la richesse de quelqu'un avec le montant d'or, d'argent ou de métaux précieux qu'il a entre les mains. Enfin, dernier ingrédient de la Renaissance, ce sont les changements de représentation du monde. Déjà au Moyen Âge, dans certaines universités, dans les milieux éduqués, on savait que ou on semblait savoir que la Terre était ronde. Ce qui va changer lors de la Renaissance, c'est le début de l'idée de l'héliocentrisme, c'est-à-dire cette idée que c'est le Soleil qui est au centre de notre univers, ou de la galaxie du moins, et non pas la Terre. Ces idées-là arrivent à la fin de la Renaissance avec Copernic et Galilée. On ne peut pas parler à ce moment-là, lors de la Renaissance, d'une révolution de l'héliocentrisme, mais c'est à ce moment-là que ces idées-là euh, prennent leur place. Un autre changement dans la représentation du monde, c'est ce dont je vous ai parlé plutôt, cette idée de l'humanisme. Lors du Moyen Âge, on est plutôt dans une, dans une société qui est théocentriste, c'est-à-dire où Dieu est au centre du monde. Alors qu'avec la Renaissance, avec la redécouverte des anciens, on va se mettre à aborder la vie humaine d'un point de vue humaniste. Et ce que cela veut dire, c'est qu'on va voir le monde comme un endroit où l'être humain peut développer ses capacités et où l'être humain peut comprendre. Dans l'humanisme, il y a cette soif de savoir et d'améliorer le savoir humain. D'ailleurs, un des auteurs, Rabelais, un auteur français, va représenter cet humanisme-là en écrivant ou en proposant dans ses écrits des personnages humains mais qui sont des géants, c'est-à-dire euh, Pentagruel ou euh, Gargantua. Et ce qu'ils veulent, c'est manger, c'est boire, mais c'est aussi apprendre tout ce qu'il y a à apprendre dans le monde. En ce qui nous concerne, il y a aussi à la Renaissance une forme de Renaissance du français. Parce que vous, vous rappelez que la Langue française était née au Moyen Âge, mais même lorsqu'elle existe, c'est encore une langue euh, vulgaire, une langue du peuple qui n'est pas vraiment utilisée de façon officielle. C'est encore le latin qui est la langue officielle. Mais lors de la Renaissance, le roi François Ier va décréter que c'est maintenant le français qui est la langue de l'administration publique et la langue du droit. Ça va avoir tout un effet, notamment chez les auteurs qui, eux aussi, continuent à écrire en latin et qui vont tranquillement passer au français notamment grâce à un groupe qu'on appelle le groupe de la pléiade et à deux auteurs plus particuliers qui se nomment joachim du et pierre ronsard qui vont écrire la défense et l'illustration de la langue française dans cet essai l'auteur principal joachim du bellay explique comment il veut euh, encourager ses contemporains à utiliser davantage la langue française à l'enrichir et, et à enrichir sa versification donc la façon dont on écrit des poèmes et que doit-on faire pour cela ben on va, on doit notamment délaisser le latin au profit du français. On doit inventer des nouveaux mots parce que tous les mots ne sont pas couverts par le latin. Et donc il va y avoir un foisonnement de nouveaux mots qui vont tirer leur naissance d'origine grecque ou latine. Et on va aussi vouloir renouer avec les formes antiques. On va laisser tomber les chansons de gestes, le fin'amor et tous les autres genres du Moyen Âge pour renouer avec les formes plus classiques, si vous voulez, de l'Antiquité, c'est-à-dire les sonnets ou la tragédie ou la comédie. On va vouloir faire l'équivalent des chefs-d'œuvre des Romains et des Grecs, mais les produire en français. Il y a même un écho, si vous voulez, de cet euh, ouvrage Défense et Illustration de la langue française au Québec dans les années 70. Certains auteurs avaient eu l'idée d'écrire la défense et l'illustration du joual comme langue québécoise. Bon, évidemment, ça a fait long feu, mais euh, on voit encore ici euh, une source de tout cela. Dans les prochaines vidéos, bien, on aborde de plein pied la littérature québécoise, puisque tout ça commence avec les écrits de Jacques Cartier qui arrive au Canada vers 1534.